pour le dernier grand steeplechase d'Anguin. 5000 mètres à parcourir. Et on voit tout de suite un très bon départ du numéro 3, Amirand, qui est placé en tête de la course. Bon départ également du numéro 7, un Maliborgia, qui se retrouve à son extérieur en deuxième position. Le long de la corde, on a le numéro 2, Messire Fontenay, qui vient devant Tir au but, hein, le numéro 8, qui a remporté cette course en 2012, et qui est donc en quatrième position. Harry venant juste derrière, avec Sierra Nevada, qui progresse le long de la corde, devant l'As Saint-Pistole, qui est pour l'instant en huitième position environ. Devant le numéro 4, c'est Royal Astarania. Zars Dancer, le numéro 5, est à l'arrière du peloton, à l'image du numéro 10, Lachlan Bridge, à l'image également du numéro 11, Yoko. Et c'est pour l'instant Miss de Chandou, hein, le numéro 6, qui est en dernière position, en se montrant un peu brillante pour l'instant. Camille Rand qui est en tête, Maliborgia, le numéro 7, à son extérieur en deuxième position, Messire Fontenay qui est troisième, avec le numéro 9, Harry, qui est quatrième, Tir au but qui galope côté corde, avec Sierra Nevada, qui est également à l'intérieur, le numéro 4, Royal Astarania, est au milieu du peloton, en compagnie de l'As Saint-Pistole. Les deux favoris de ce Grand Steeplechase d'Anguin, Miss de Chandou et Yoko, sont aux deux dernières places, l'arrivée des tribunes. Ouais, c'est bien sauté par tous les concurrents, même si on a vu que le numéro 12, hein, Sierra Nevada, a perdu un ou deux rangs. En tête de la course, Maliborgia, le numéro 7, prend le meilleur devant le numéro 3, Amirand, qui est donc en deuxième position. Messire Fontenay se retrouve troisième, devant plus loin le numéro 8, Tir au but, hein, qui est quatrième le long de la corde, avec Harry, le numéro 9, qui est en cinquième position. Royal Astarania est à mi-peloton, avec à l'extérieur Saint-Pistole, le numéro 1, qui devance le 10, Lachlan Bridge. Zars Dancer patientant à l'arrière du peloton, comme Miss de Chandou, le 6, et le numéro 11, Yoko, le favori, qui ferme la marche. Amirand, Maliborgia, qui sont toujours aux commandes de ce Grand Steeplechase d'Anguin, avec en troisième position le numéro 4, Royal Astarania, Tir au but qui est bien placé côté corde, Messire Fontenay qui galope dans le sillage des animateurs, avec Harry, le numéro 9, qui est au milieu du peloton, Lachlan Bridge, qui est un petit peu plus en retrait, avec Miss de Chandou, qui patiente à l'arrière-garde. Le numéro 5, Zars Dancer, est également à l'arrière-garde d'un peloton dont le numéro 11, Yoko, ferme la marche. Amirand vient le long de la corde. À l'extérieur, c'est le numéro 7, Maliborgia. Tous les concurrents ont franchi sans problème le mur en pierre. Troisième place pour le numéro 4, Royal Astarania, qui devance Tir au but. Le numéro 8, qui est pour l'instant 4-5e, le long de la corde, aux côtés du numéro 9, Harry, alors qu'il y a eu un peu de mouvement dans le peloton. On voit le long de la corde toujours Sierra Nevada, qui progresse dans le siège de Tir au but. Lachlan Bridge patiente toujours, avec notamment le numéro 2, Messire Fontenay, hein, qui se retrouve désormais plutôt à l'arrière-garde, Sardancer étant toujours parmi les derniers, comme Miss de Chandou, comme Yoko, qui vient à l'extérieur. Double 2 avec une petite faute du numéro 3 à Mirande, et qui est toujours en course en 3-4e position côté corde, avec Maliborgia qui imprime son rythme, le numéro 4 Royal Astarania qui se rapproche maintenant et qui vient quasiment à sa hauteur, avec dans leur dos la présence du numéro 9 Harry, avec Messire Fontenay qui est un petit peu plus loin et qui a commis d'ailleurs une hésitation à la réception de la haie, Lachlan Bridge qui vient côté corde. Yoko galope à l'extérieur du peloton avec Miss de Chandou qui est toujours en retrait, la rivière des tribunes pour le second passage. Ça a été parfaitement sauté par tous les concurrents. Le 7, Maliborgia, a donc l'avantage, avec à son intérieur, le numéro 3, Amirand. Troisième place pour le numéro 9, Harry, qui devance Royal Astarania, le numéro 4. Sierra Nevada, qui porte le numéro 12, se retrouve 5-6e, avec pas très loin le numéro 10, Lachlan Bridge. Tir au but aussi, le numéro 8, hein, est à mi-peloton. À l'arrière, on a toujours Tsars Dancer, hein, qui patiente, avec Saint-Pistole, avec également Miss de Chandou, qui progresse maintenant le long de la corde. Numéro 2, Messire Fontenay, a été arrêté. Pendant ce temps-là, Maliborgia est toujours aux commandes, avec Amirand en deuxième position, Harry qui se rapproche. Le numéro 4, Royal Astarania, qui est en quatrième position. Tir au but qui vient ensuite. À noter que le numéro 11, Yoko, l'un des favoris de l'épreuve, se rapproche. Maintenant, il a amélioré sa position. Il est 6-7e. Lachlan Bridge, Miss de Chandou, venant plutôt côté corde, avec Sierra Nevada, le numéro 12, qui est passé maintenant en dernière position. Et on accélère sensiblement en tête de la course, avec toujours aux avant-postes le numéro 10, Lachlan Bridge, qui vient le long de la corde, mais qui est devancé par Amirand, le numéro 3, qui est toujours là en tête de l'épreuve. À son extérieur, on a Harry, le numéro 9. En dehors, on voit également Yoko, hein, qui s'est donc bien rapproché, qui vient maintenant quasiment sur la ligne des premiers, avec complètement dehors Maliborgia aussi, hein, qui fait partie des animateurs. Quant à Miss de Chandou, elle se retrouve toujours à l'arrière du peloton, même si elle commence maintenant à regagner un petit peu de terrain. Yoko regagne du terrain lui aussi,
Il vient maintenant à l'amorce du tournant final en 2-3e position derrière le numéro 9 Harry qui a pris les commandes de l'épreuve. Lachlan Bridge profitant de la corde qui s'est rapprochée également avec Yoko. Nous avons Amirand qui rebute, qui sont un petit peu plus loin. Miss de Chandou qui est toujours en retrait avec Zardancer et Mani Borgia qui semble rentrer dans le rang. Ouais, le peloton est très compact, encore deux obstacles à franchir et c'est pour l'instant Harry, numéro 9, qui a l'avantage et qui accélère d'ailleurs sèchement, qui a pris donc le meilleur au dépens du numéro 11 Yoko qui se retrouve en 2e position le long de la corde. On a Lachlan Bridge qui tente de refaire un petit peu de terrain et voilà Miss de Chandou maintenant qui se rapproche avec d'évidentes ressources. Direction le dernier obstacle avec Harry, le numéro 9, qui a l'avantage pour l'instant devant Yoko, numéro 11, qui est en 2e position. Miss de Chandou qui vient à l'extérieur. Et Lachlan Bridge, le numéro 10, qui va tenter de repartir le long de la corde. Le dernier obstacle est franchi en tête par Harry, numéro 9, qui a pour l'instant facilement le meilleur devant Yoko, qui vient en 2e position. Et voilà Miss de Chandou qui enclenche à l'extérieur, alors que Lachlan Bridge se montre courageux le long de la corde, environ 100 mètres à parcourir. Avec Harry qui a l'avantage, Miss de Chandou qui vient très vite à son extérieur. Harry, Miss de Chandou, Harry, Miss de Chandou, Miss de Chandou qui va remporter le dernier Grand Steeple Chase d'Anguin. La deuxième place pour le numéro 9 Harry et la troisième place pour le numéro 10 Lachlan Bridge. Miss de Chandou qui rentre dans l'histoire. Elle s'impose effectivement dans la dernière édition du Grand Steeplechase d'Anguin. Quelle course d'attente hein, montée par Johnny Charron est fantastique. Harry a très longtemps fait illusion pour la victoire, mais il est battu vraiment tout à la fin.